Salutations à tous les amis, salutations à toute l'équipe là, tout le monde qui est là, qui est branché, qui est censé attendre nous. Nous comptons nous avoir jeudi à là, jeudi à c'est jeudi, 1er juin, c'est le premier jour dans le mois juin. Nous avons marqué ensemble, c'est tout en coup d'envoi, nous avons dit saison cycle non. C'est que dans la saison cycle non, en fait, et nous connaissons que la saison cycle non a commencé à partir du 1er juin. Jusqu'en novembre. Donc, il a annoncé, on publie une liste quantité de ouragans possibles qui ont frappé nous dans la zone panoua. Donc, je demande tout le monde pour vous préparer. Dans ce sens-là, nous connaissons que gain dans ville au Caire, par exemple, côté responsable, ils ont déjà commencé à faire préparation si au Caire est tourné dans la zone. Et côté des cyclones à passer qui a affecté tout. En tout cas, nous parlons sur le plan international. Tidi fait bouler entre la Russie avec l'Ukraine a continué. La Russie a babillé côté l'accusé Ukraine qui est responsable de l'attaque qui a fait dans la ville de Moscou. Donc, la population dans la ville de Moscou en gens inquiété tout. Il dit que si l'Ukraine est capable de mener une attaque et dans le Kremlin même, donc, il y a au même tout, il y a par exemple tout, tout va capable passer, tout va capable passer. Donc, malgré que le gouvernement essaie d'assurance que, bah, et pas Jean-Rudia, bah, il y a un contrôle de situation. Pendant que, au même tout, là aussi, continue à mener l'opération, et puis, il faut qu'on fait là. Et entre l'OTAN là pour essayer d'accélérer le processus pour que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, il y a que là aussi, pas voulu, parce que là aussi, déjà dit, si l'OTAN, si l'Ukraine vient même l'OTAN, ça va créer une menace posée, une menace pour lui-même, parce que laisse ça rendre pour son membre, l'OTAN est capable de mettre des armes dans la carrière, mais ça veut dire qu'il peut mettre des armes dans la barrière devant la porte là aussi, donc bah, que là, je suis pas content. En fait, c'est une raison qui a déclenché la guerre là, même si à un certain moment, il a senti que l'Ukraine a renoncé à elle, mais et ça va veut dire rien, puisque la communauté internationale a continué à supporter la guerre. En tout cas, avec la Russie, ils n'ont pas voulu entrer directement en guerre, mais au moins, ils ont supporté l'Ukraine militairement et ils ont même bali et de quoi pour le défendre. Donc, c'est les États-Unis qui ont donné le dernier argent là, encore pour permettre que lâcher munitions, en ont besoin, en préparation avec la saison ça là qui pourrait commencer côté que l'Ukraine a continué la bataille contre la Russie. Il y a tout l'Ukraine équipé. Aussi, au même dit qu'il va battre les gains, il va continuer à attaquer l'Ukraine jusqu'à ce qu'il y ait un résultat qu'il a cherché. Ça, c'est ça. C'est ça qui gagne sur le plan international pratiquement. Et le mouvement d'affaires là, alors Soudan par Corizou, des problèmes gangou et FAO, qui se font alimentation mondiale, qui se PAM, mais lui-même, il lance son état d'alerte, c'est des pays qui menace gangou, parmi eux Haïti mentionné sous l'isla tout, donc c'est état d'alerte, etc. Et problème tout lancé en Haïti même, mais problème Haïti, c'est pas parce que pas de manger, excepté que manger n'a pas arrivé, ça a eu les chaînes d'approvisionnement, et manger n'a pas arrivé dans la capitale là, on ne peut pas arriver côté qui a besoin, alors que manger a gaspillé dans mon cher côté à cause de problèmes banditistes, etc. En parlant de banditisme, on a dit que bon, bon bataille là qui marie entre PNH là avec un groupe négamé qui s'est sévelé pour contrôler un commissariat dans la zone Carrefour qui s'est sorti sud capitale là. Donc, population qui a mis même avec la police pour aider eux, pour aider et croiser bon, négamé eux, mais ils ne sont pas là pour marcher malgré que la police a repoussé attaque de temps en temps, monsieur a fait. Sous commissariat qui sont dans route là et puis il y a tout manifestation tout plus loin un peu petit peu dans Niagouane et côté que ils ont bruité couru qui devait connaître que et responsable de la justice est transféré comme ce gouvernement ni plan mais monsieur dit c'est pas vrai etc et c'est d'après mon qui t'a de courant donc on a fait manifestation parce que dit que avec monsieur il y a la paix d'esprit donc autorité n'a pas qu'à transférer comme ce gouvernement et comme ce gouvernement dans Nipla. Et dans Gonaïve, il y a un avocat qui a défendu aussi comme ce gouvernement tout, qui lui-même semble être évoqué, peut-être il a libéré
un prisonnier ou bien un chef gang, et bien monsieur yo évoqué lui, mais qu'on y a eu mette action publique en mouvement contre lui, et bien avocat cap défendu yo rejeté, et tout avocat ou bien tout membre et le tribunal dans ville là et yo mandé yo pour abandonner dossier donc et avocat yo dit non pas d'accord qu'elle soit avec et avocat que t'a nommé pour ce dossier yo rejeté à l'unanimité et puis dans l'autre nouvelle nous gain pour et ici aux États-Unis gain et Sénat préparé là pour recevoir et pour recevoir en fait pour recevoir et proposition loi que chambre députée a fait passer et que proposition loi que chambre députée a fait voter sous limitation bien sûr et augmentation plafond dette là qui était normalement à 31,4 milliards de dollars et bien retirer plafond dette là qu'on y a jusqu'en janvier 2025 qui sont soulagement pour l'administration qui pas besoin de fatiguer de problèmes de plafond dette augmentation dette et dette pays et avec élection donc ça veut dire que il y a jusqu'en janvier 2025 donc après élection yo gagner tout mais républicain retour bon côté partout joindre réduction dans ces dépenses gouvernement fédéral là au moins on connaît que pour année 2024 là année fiscale là et gouvernement pas augmenter aucune dans dépenses yo donc dépenses à prix fixe et puis a une augmentation de 1% dans dépenses gouvernement à partir de 2025 pour aller 2025 mais ça c'est pour augmentation plafond des salariés d'être pays donc d'être ça et en fait document ça parle devant Sénat et qui lui-même t'a de voter sous lit d'ici week-end non pour que et proposition loi s'il passait dans Sénat t'a dérivé devant sous bureau président Biden et au plus tard lundi au plus tard lundi parce que et en principe et samedi 3, dimanche 4, au plus tard lundi, et lui-même dit pas de problème du tout pour le signal parce que ça capable d'éviter les États-Unis pas tomber dans la position que ne pas pas honorer les dettes. Concernant l'emploi fédéral, le fonctionnement du gouvernement, le Sénat tout dit bien pour le Sénat, le Congrès, lui-même là, et pour voter tout et dans le jour, bien dans le mois l'autre résolution pour financer le fonctionnement du gouvernement, sinon à partir d'octobre, le gouvernement n'a pas de quoi pour fonctionner. Donc ça veut dire que nous avons arrivé dans une position côté gouvernement obligé de fermer parce que par exemple pour payer employés fédéraux. Donc le président Biden bat bravo pour la décision des députés au prend, même si il y a plus de démocrates qui votent en faveur et proposition de loi que les républicains. Et il y a seulement 42 démocrates qui votent contre lui, mais il y a près de 117 républicains. Et près de un certain nombre de républicains qui votent contre lui parce qu'il dit qu'il n'a pas diminué assez dans les dépenses du gouvernement, alors que les démocrates, 42 démocrates qui votent contre lui, tout, il dit qu'il y a trop de réductions qui fait dans les dépenses du gouvernement fédéral. Là. Donc son dossier qui est tellement arrêté l'ouvrir, mais n'a pas su pour vous parce qu'on y a ballon en encan et démocratie dans le Sénat, qui est normalement une démocratie au contrôle du Sénat, eh bien, bon, ça va bien passer pour les sénateurs eux-mêmes, parce qu'en principe, comme nous avons contrôlé, il y a une tendance pour que les propositions de loi soient votées pour le sous-président pour le Tassiel, avant les États-Unis en position que le pape capable d'honorer, d'être qui se date et ministre Trésor et Janet Yellen est fixé qui c'est 5 juin, date que. Il t'a senti que les États-Unis n'ont pas l'argent encore pour l'honorer d'être. Et pratiquement, c'est comme ça. La situation est bon ici à là. On rappelle que nous avons en plein saison été. Nous avons commencé tout le mois de juillet. Et puis, pour le pays d'Haïti, et les leaders ou bien les membres de la société là, que les leaders qui ont invité nous rencontrer Haïti dans la Jamaïque. Eh bien, réponse jusqu'à présent pas tellement pas négatif, parce que tout le monde est invité d'accord pour y aller, il y a de nouvelles, il y a près de 34 personnes qui ont invité. Et il t'a semblé que l'organisateur dit que bon, si le monde voulait mener un monde avant, qu'il va mener un monde avant. Il n'y a pas spécifique qui nous a mené avant, donc mener un monde avant. Donc ça peut être double chiffre là, mettre de 34.
li ka mette la presque 68 et invité qui pral aimer et CARICOM dit lui-même c'est lui-même a couvert tout frais yo alors frais transport bon très probablement manger et puis déplacement et puis côté pour manger pour dormir et puis faire une proposition trois thèmes que l'État a discuté sur le sous-crise là et qu'il y a des leaders politiques d'accord par exemple Clarence Renoir qui dit que l'État croit que il y a possibilité pour l'État soutenir un résultat dans le continent Jamaïque là étant donné que après moins pression la RIA et la RIA est sous participants mais il y a par exemple aidé que docteur Claude Joseph a dirigé et bien lui-même dit que et en fait il pressé il dit que lui-même il était quoi et parmi demande pâle que aidé gain et bien c'est pour il t'a demandé pour démission président démission premier ministre Henri démission premier ministre Henri et parmi et normalement pour déboucher pour et, parce que l'élection sont l'autre partie dans le calendrier rencontre là donc c'est certainement et docteur aidé dit lui-même les a demandé démission et premier ministre Ariel Henry mais nous pas connait exactement position l'autre secteur qui est pour discuter parce que pratiquement toute couche c'est moins monde qui pas invité mais presque toute organisation politique et droits humains membres de la société civile là mais ils ont tout invité et tout n'a venu avec calendrier c'était certainement pour aller participer dans le débat 3 jours ça côté des 3 anciens premiers ministres caribéen, jamaïcain, bahamien, et bien, eux-mêmes, c'est eux qui pourraient servir comme facilitateur pour permettre que acteurs politiques rejoignent. Certainement, les États-Unis, qui étaient le premier côté, qui étaient recevoir une invitation, ou bien encore que le premier ministre a été demandé pour devenir protocolé, bon, très certainement, les États-Unis sont capables de présent, tout comme le Canada, et tout comme l'OEA est capable de présent, mais c'est peut-être à titre d'observateur. Mais rencontre là, dans le fond, c'est CARICOM qui est censé organiser. Mais si on rencontre qu'en pile, on a observé pour connaître qui gens ça peut participer, qui peut attitude et leader politique haïtien. Est-ce que peut jouer entre eux l'autre bois ou bien est-ce que tout peut chita au moins pour eux, si t'as sorti et dans la crise, mais on connaît que tendance qui pour les monde qui fait demander pour que et il y a pas parlé dans l'élection il pas d'accord pour ce premier ministre Ariel qui fait élection donc c'est certainement des questions de délai du écrit à inter c'est certainement qui va poser proposition mais ça qui de fait avant nous faire élection donc c'est des bails qui parle pour ajouter à bien que c'est certainement organisateur comprendre ça et connaître que Macha vient taper et qui je cap faire avec mais il y a qui dit que qui quoi que l'important pour institution démocratique retourner sur place retourner en place tant que les élections pour gagner au parlement etc. ensuite il y a l'autre bagage que cap garder parce que pour qu'on y a du pas grand rien qui institution démocratique pas existe encore excepté gain quelques bah qui là mais c'est pas vraiment parlement par là qui sont gros morceaux dans l'institution démocratique la présidence qui parle à tout sont leurs gros morceaux encore donc le système judiciaire qui là mais qui là doba mais qui a fait effort pour mettre sous pied donc pour cassation hein, et avec leur entité mais pays a marché malgré tout et puis question sécurité à bon mon témoignage qui fait qui dit que quoi que et grande diminution qui fait dans niveau sécurité insécurité à grande diminution et c'est cela depuis les peuples là des points là il même pour te battre tu ça a été pour faire ça aller justice expéditif alors justice expéditif là c'est que là il prend affaire en main il jeune au monde il accuse au et au même là petit manchette au même et gang armé etc. et ben il passe à l'infinitif il va ni mettre bas la justice ni mettre bas la police ça que responsable demandé pour une population pour pas faire sous jeune au monde pour suspect salé ben la police a cherché il y a des opérations la police menée c'est grâce à information jeune population et qui fait opération mais moi opération pas mené opération même pour nous tous les monde remettre mon bail et la police a défié mon devant la justice pour la répondre à l'accusation qu'a présentée. Voilà, c'est ça nous y est. Je dis à la nous une compagnie, Fred Nankala. Fred Nankala, donc Fred d'avoir avec nous pendant et fait ce maintenant et très probablement semaine prochaine dans tout parce que Ben qui c'est et réalisateur non tout et monsieur en vacances donc Fred Nankala là qui est pour lui et puis bon pratiquement c'est un entretien sur le dossier pays d'Haïti pour
Et moi, je suis sur affaire congrès là. Il se prend là. Et puis, voilà, je crois que nous avons passé un bon festival. Donc, nous souhaitons une bonne. Pour passer un bon mois de juin en compagnie VOA. Et aller sur la plateforme, visiter nous, ouais, tout ça que nous mettons, toutes les informations que des fois que nous pas dit, mais qui là, et pas qu'à rater, parce que sous besoin informé, meilleur côté, une meilleure côté pour aller, c'est sur la plateforme VOA Créole pour aller, pour capable renseigner sur ce qui a passé à travers le monde. Voilà, et puis, salut nous, passez une très 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 bonne journée, et n'a pas n'a encore plus tard dans le journal radio sur télévision que Jacqueline Bélisa a présenté nous après-midi.